Yo, bien le bonjour et le bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Et donc dans cet épisode, nous allons faire la petite quête qu'on était censé faire dans l'épisode dernier mais que je n'ai pas faite parce que je me suis trompé de quête et qu'on est parti du coup sur la quête principale où on avait sauvé des dragons. Donc là aujourd'hui on va faire Mauvais sort végétal, donc on va rentrer dans le tombeau de la famille Dale. On va voir un peu ce qui se trouve. Normalement je dois faire quoi déjà? Nanana. Il y avait une histoire de collier, peut-être qu'il fallait que je ramène un collier à la tombe ou un truc comme ça il me semble. Enfin bref, c'était un délire avec une tombe, en tout cas ça j'en suis à peu près sûr. Pendant que je me suis connecté là, j'ai fait mes petits bails dans ma salle sur demande et tout, et j'ai eu deux lettres qui ont popé. Donc Nati qui veut qu'on aille parler avec elle. Ah oui, c'est parce que sa mère n'est pas contente apparemment, et du coup elle veut que je l'accompagne pour aller voir sa mère histoire de moins se faire taper dessus. Et Poppy veut qu'on la rejoigne aux trois balais. Voilà. Donc c'est un peu les deux lettres que j'ai reçues. J'ai d'autres quêtes secondaires, on a aussi ça pour apprendre le sort de transformation. Ah, ou alors est-ce que je fais le sort de est-ce que j'apprends le sort avant de partir en quête? Non, ça fait deux épisodes que je vous dis que je pars là-bas, donc on va partir dans le tombeau de la famille Dale. Mais juste avant, en fait, j'ai pensé à un truc, parce qu'à chaque fois j'oublie. Vous voyez, là, il me manque la table d'astronomie. La table d'astronomie, on était déjà tombé dessus une fois. Il me semble qu'elle était par là. En tout cas, elle était vers les serres, en tout cas, il me semble. Donc, je vais essayer d'aller la retrouver. Et si je la retrouve, on va la faire avant de partir en quête d'aventure. Voilà. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Je pense que ça sera déjà suffisamment chargé. Où est-ce que je me suis TP? Je me suis TP à la bibliothèque. J'ai toujours dit. Pourquoi je suis venu là, moi? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais pourquoi je suis là, moi? Nanana, je me suis trompé de route. C'est où les portes? Pour se barrer d'ici. Ah, c'est là-bas en face. Ok. On va essayer de se rendre du coup. Ah, il y a une quête aussi par là. Bon, il y a des quêtes de partout, mais pour l'instant, je vais pas les prendre. Je vais les laisser là où elles sont. De toute façon, il y en a certaines qui se mettent toutes seules à mon. Dans mon journal de quêtes. Donc, mais je me suis complètement perdu. Pourquoi il y a un. Il y a un bonhomme de neige qui me dit bonjour. Ça fait quoi si je le brûle comme ça? Brûle! Ils font? J'ai cru le voir fondre. Oui, ils font, regardez. Ah ah. Et bim. Il y a plus de bonhomme de neige en fait. Et si je fais ça? Wouah. Je l'ai refait. Mais c'est trop bien ce jeu. Ça c'est des petits détails de rien du tout qui font que bah je sais pas, moi ça me fait kiffer de voir ça. Par contre, il veut plus fondre du coup. Incendio. Là, ils font plus du tout. Ah, c'est dommage. Mais je l'ai fait fondre et je l'ai fait défondre. Ça se dit pas, hein, défondre, mais bon. Continuons du coup. Normalement, j'ai peut-être réussi à régler les petits problèmes de son qui étaient un peu trop forts parfois, ou etc. En tout cas, ça m'a l'air d'aller beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc j'espère que ça sera le cas, on verra. Alors si je me trompe pas, c'est possible que je me trompe. Ça devrait être dans le coin, mais vu que c'est pas dans le coin, ça voudrait dire que je me trompe. Alors attendez, ça bouge ce truc normalement. Ouais, ça bouge un petit peu. Non, c'est pas là. Bah c'était où? Là il y a des abeilles. Mystery boule de gomme en fait. Je sais que c'était par là, hein, il me semble. Non, c'était pas de ce côté. Hein. Un flûte, où il était? Un flûte zut crotte. C'était un endroit où en fait il y avait une grotte juste en face où. Ah, là! Voilà, je savais que c'était dans le coin. Il est sans doute venu étudier ici. Ouais, super pour un mythe. Mais moi, c'est ça que je veux faire. Voilà, parce que ça fait un moment que je dis qu'il faudrait que je le fasse. Et à chaque fois, j'oublie.
Donc cette fois j'y ai pensé, donc autant le faire pendant que j'y pense, parce que sinon je me connais, je vais encore oublier. Ça m'a l'air d'être quelque chose comme ça. Ok. Oh, un magnifique phénix. Ça fait beaucoup bien plus plaisir quand même. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Sur ça, je suis satisfait. On va pouvoir maintenant partir en direction de notre quête. Notre quête qui se trouve tout là-bas, là-bas. Est-ce que je récupère un peu les choses sur le passage? Nanana, là, c'est des épreuves de Merlin que j'ai pas fait. Il y a des grottes aussi que j'ai pas fait. Je pense pas que je vais faire ça ici, mais je vais peut-être faire les petits trucs qui sont là aux alentours pour le coup. Le reste, on y fera plus tard quand on aura un temps pour le faire. Ok, donc tout ça, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air plutôt correct. Hop, on va commencer par se diriger vers l'épreuve de Merlin. Après, on fera tous les petits trucs là, table d'astronomie, coffre au trésor, tout ça. Hop, on part sur la quête. Et après, on verra. Ah non, mais ça, c'est une autre quête secondaire encore. Ah oui, d'accord. Hop, on part sur la quête. Et puis bon, bref, ça va bien faire tout l'épisode, quoi. Je vais arrêter de parler pour ne rien dire. J'ai envie de m'y rendre à dos de Phénix. Parce que c'est quand même grave la classe. Donc, allons-y. Décolle. Allez, décolle! Allez. Je sais plus comment tu t'appelles, toi, l'oiseau, là. Je sais que l'autre, c'est Aile Céleste, mais lui, j'ai complètement zappé son nom. Mais c'est pas grave, hein, on va faire avec, hein. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. C'est trop appréciable de juste t'es là et tu voles. Oh, il y a un coffre ici. T'en poses-toi 2 secondes. Un manteau nul. Ah, j'aurais peut-être dû faire de la place aussi, j'y ai pas pensé. Attendez, je vérifie si j'ai de la place dans mon sac. Non, mais c'est pas là, c'est vrai, ouais, c'est là. Niveau des stuffs, 21, 29 sur 32. Ah! Je vais partir vite fait après au lard. Pour aller C'est le vendre. moment d'aller un peu plus vite. Si Plus jamais c'est vite. un peu trop long, j'y couperai peut-être au montage. Et puis on se retrouvera juste après. Mais on verra comment ça marche. Mais je tourne pas dans le bon sens. Allez! C'est parti. Je sais plus comment tu t'appelles l'oiseau. Mais allons après au lard d'abord pour commencer, s'il te plaît. Wouhou! C'est trop stylé en fait! Ah yeah, il va à dos d'hippogriffe. Je sais plus comment tu t'appelles, mon ref, mais t'es très stylé en tout cas, sache-le. C'est parti. Envole-toi! Alors ici, on avait déjà tout fouillé par ici, il me semble. Mais bon, je vais pas tout fouiller sur le passage, je vais juste fouiller ce qu'il y a là, ce qu'il y a tout là-bas vers notre quête. Parce qu'après, si je commence encore à m'arrêter de partout, vous me connaissez, ça va durer encore 10 ans. Et j'ai bien envie d'avancer sur la quête là. J'aime bien... La quête m'intéressait plutôt bien quand même. Allez. Donc on va aller faire ça là-bas. Yo! C'est pas très pilotable par contre un hippogriffe. Bah. Déjà que le balai c'est pas très bien fait. Mais là, l'hippogriffe c'est pas non plus folichon, folichon. Je vais aller à cette épreuve de Merlin là en premier. Les deux autres, je les ferai un autre jour, le moment venu, quand j'aurai envie. Là, ils sont en train de se battre là. Mais pas le temps. On n'a pas le temps pour se battre, nous. Nous, on va direction notre quête. Et comme je vais quand même traîner un petit peu, je vais pas non plus trop m'attarder sur chaque chose que je vois. Surtout qu'ici, on est déjà passé, on a déjà presque vu tout ce qu'il y a. Ce n'est pas très intéressant. Alors, épreuve de Merlin, nous y sommes. Nous sommes arrivés au village. On va pouvoir descendre. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Bah oui, moi aussi je sais en reconnaître. Et on y est. Oh, il y a des œufs de serpent cendre là-bas. Alors, quelle est un peu cette épreuve? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà avec ça? Confringo! Je sais plus ce qu'il faut que je fasse avec ça. Glacius, Repulso, On va Diffindo. essayer. On va essayer tous les sorts. Vivendo. Confringo, Diffindo, Glacius, Repulso. Levioso, Axio, Expelliarmus, Incendio. Descendo, Arresto Momentum, Bombarda. Ok, donc c'est pas ces sorts-là. Qu'est-ce que je dois faire avec ça déjà, moi? Protego. Ah oui, tout ce qui est Lumos et tout, j'y ai plus maintenant dans mes raccourcis, c'est vrai, ça. Pénible ça.
Les vieux, ça, je peux le mettre, mais. Lumos. Wingardium Leviosa. La flûte? Lumos. Faut que je fasse quoi? Je peux pas sauter dessus. Ah mince, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Ah, c'est les papillons, d'accord. Non, bah non. Si? Si, ça c'est les papillons, ça. C'est les papillons qu'il faut que je ramène. Oui, c'est ça, c'est les papillons. Autant pour moi, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, j'avais oublié. Mais viens là, eh. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc à faire, genre que ça allait s'allumer en bleu, mais je savais plus ce que c'était exactement. En fait, c'est tout simple, c'est les papillons, ça va. J'avais oublié, pardonnez-moi, ça fait un petit moment. Ok, donc ça là, ça là. Ils sont où les autres papillons? Où les autres papillons de lumière? S'il vous plaît. J'aimerais des papillons. Papillons. Là, je les ai trouvés. Non, bah non, c'est les celles que ceux que j'avais déjà. Partons en reconnaissance un dos de balai magique. Revelio. Ouais, ça m'aide pas, hein. Ça m'aide pas actuellement. Je vois pas les autres papillons. Je vais pas récupérer toutes les chrysopes ici. On va récupérer les autres serpents cendres. Ils sont juste là. Maléfique. Descends du balai, toi. Lumos. Voilà. Allons-y. On va pouvoir ramener ça au dernier. Tac. Et voilà. De Merlin ne me résisteront pas. Preuve de Merlin au calme. Ça c'est fait. Suivant maintenant. Une autre épreuve de Merlin juste à côté normalement. Mais j'ai vu pas mal de choses à récupérer en vrai de vrai. Alors plein de coffres, etc. Il me semble que ce village là, on l'avait survolé. On n'avait pas du tout. Pas du tout essayé de récupérer toutes les choses qui s'y trouvaient. D'ailleurs, en parlant de choses qui s'y trouvent, là, il y a un cube. Donc, c'est le cube qu'il faut sûrement que je ramène à la grotte un petit peu plus loin. On va faire ça, hein, vu qu'on est là. Vu qu'on est sur le chemin. Faisons-le. Juste récupérer un peu ce que je vois, là. Ouais, je me disais bien qu'il y avait quelque chose ici. Faut que je descende pour ça. Bon, après, vous allez me dire, hein, les pierres de lune, comme ça, j'en ai déjà plein. Pas non plus... Là, il y a un coffre un peu plus haut. Yop là, balai magiquement magique. Alors, le petit cube. Oula, et où? Il y a des bœufs, là. Viens par là. Ah, je reste appuyé, autant pour moi. Wingardium Leviosa. Ah non, moi, j'ai pas besoin de... Ah si, faut que je reste appuyé, vraiment. Depuis quand? J'ai l'impression de plus savoir jouer au jeu, moi. Et je fais des pauses de une semaine et après je suis perdu, quoi. C'est ça aussi de jouer à 10 millions de jeux. Hein. C'est pas bien. Hein. Et c'est un Glacius qu'il faut que j'envoie. Ok. Ça l'intrigue. Quel stuff un peu nul allons trouver ici? Puisque on le sait, à force, il y a que du stuff un peu nul dans ces trucs. Ah ah! Ça change ma perspective des choses. Ok, bon. Bah, c'était juste ça. Pas dingue, hein. Ils auraient pu vraiment faire des efforts, hein, pour les grottes, etc. Il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'ils en ont un peu mis beaucoup de partout. Mais il n'y a rien de vraiment très élaboré. Et je dois vous dire que ça me déçoit un peu. Enfin, pour être franc. Au début, on est là en mode waouh, il y a vraiment plein de trucs et tout, mais en fait, il s'avère que c'est quasiment tout le temps la même chose. Et il n'y a rien de vraiment très élaboré, il y a des énigmes qu'on peut juste passer par-dessus. C'est un petit peu dommage, je pense qu'ils auraient pu faire quelques efforts là-dessus. Mais bon, ça n'en reste pas moins, pour moi en tout cas, un très bon jeu que j'apprécie énormément, malgré son manque d'optimisation sur PC.
Bourgaren. Un endroit très agréable. Intéressant, hein. Nous sommes à Bourgaren. Je sais pas où c'est ni ce que c'est, mais je suis content de le savoir. C'est quoi ça? C'est un bol pour faire pipi ou quoi? C'est vrai que, à part à Poudlard, les maisons, ils ont pas de toilettes, hein. Ah ouais, hein, ça vit à la dure hein, chez les sorciers, hein. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils font apparaître quoi, des toilettes et puis après ils le font disparaître, j'en sais rien. C'est quoi ça? Ah, faut que je ramène une boule ici. Ah bah ça va être l'épreuve de Merlin. Au moins celle-ci est pas très compliquée à comprendre. Je vais récupérer un peu tout ce qui est coffre, etc. Sois forte, Alexandra. Ouais, toi on reviendra un autre jour. On reviendra te parler, etc. T'inquiète pas pour ça. Mais pour le moment, nous, on se concentre sur ce qu'on veut. Ah, mais j'ai deux quêtes carrément ici. Mais waouh, mais il y a des quêtes de partout. Il y a des quêtes de partout, en fait. Tu serais pas un vendeur aussi? Si vous pouviez nous aider, moi et mon ami, pour une livraison urgente. Alors, j'aime beaucoup le doubleur qui fait sa voix. Il a doublé notamment des personnages dans Fable. Fable, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le jeu, hein, c'est un RPG, RPG britannique qui est très axé humour, etc. J'ai fait le let's play de Fable 1 disponible sur la chaîne. Il y aura prochainement aussi encore du Fable parce que je suis fan de la licence. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est disponible sur la chaîne en tout cas. Voilà, vu que je parle de Fable, je le cale là quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Où ça? Revelio. Attendez, il y a une demi-guise. Alors je sais que je la vois pas de jour, mais s'il a dit une demi-guise par là, ça veut dire qu'il doit y en avoir une dans le coin. Épouvantail enchanté. Cet épouvantail à l'air espiègle a été enchanté il y a fort longtemps afin de surveiller le jardin et d'éloigner les corbeaux. Malheureusement, il se contente désormais d'embêter les jardiniers en les insultant pendant qu'ils travaillent. Bah, j'ai envie de vous dire, au moins ça fait un peu de compagnie. Un peu de divertissement pendant qu'on bosse. Non? Qu'en pensez-vous? Moi, ça me plaît. Ramasser des petites pièces. Rebellio. Il y a beaucoup de loot, hein. Beaucoup de loot un peu inutile, hein, toujours. Hein. C'est ça hein, un peu le problème. Hein, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je ramasse, bah, c'est bien, je l'ai ramassé. Mais c'est pas foufou, quoi. Oh. Je peux monter? Ça me sert à quoi d'avoir ça, là? Visiblement, c'est pas pour monter sur le toit. Ah, c'est peut-être pour monter là. Possible. Bon, en tout cas, on va ouvrir la porte. Allô, Normona. Alors, bon, je sais pas pourquoi le Allô, Mora, il y a des fois les textures ne chargent pas. On va pas chercher trop loin, hein, c'est pas grave. Eh. Non, mais. Oh, tant que ça marche, moi, je veux pas me plaindre. J'ai eu suffisamment de soucis pour réussir à rendre le jeu un peu stable. Ok, alors ça c'est bon. Ah, j'ai loupé, j'ai oublié, il y avait une lettre près du vendeur que je voulais lire et je ne l'ai pas lu malheureusement. Alors ça c'est un vrai coffre, c'est les seuls vrais coffres pour le coup. Oh, c'est des petits bonbons, j'adore les bonbons. Oh, je vole! Trop bien, c'est des bonbons qui font voler. Ils m'ont monté en l'air, ceux-là. Mon très cher Eddy, j'ai été si heureuse de lire ta lettre. Je ne suis pas rentrée depuis trop longtemps. Figure-toi que mes jours au ministère sont comptés. Ils m'ont forcé à prendre une retraite anticipée et il semblerait que je ne puisse pas les faire changer d'avis. Peu importe, pendant toutes ces années, en tant qu'horreur, j'ai pu m'apercevoir à bien des reprises que les gens qui s'y trouvent au sommet s'emploient davantage à conserver leur place qu'à s'occuper des problèmes des autres. Mais assez parlé de cela. J'aurais bien assez de temps pour te conter toutes mes aventures dans notre vaste monde lorsqu'on se reverra. Et justement, je serai bientôt de retour. Bien que je compte séjourner à Campolar en haut, ça reste très proche. Je compte bien profiter du temps qui m'est imparti. Il reste tant de mystères à résoudre. Ta sœur pour toujours, Hélène Thistlewood, Londres. Ok, ça fait très beaucoup bien plus plaisir, mais je m'en fiche un petit peu. Bonjour, auriez-vous le temps de m'aider pour une livraison? Ah, là c'est la lettre à Eddy Thistlewood, de Bernard à Eddy. Eddy, les attaques des rebelles gobelins sur Felscroft se font plus fréquentes. Ils semblent être à la recherche de quelque chose.
Je ne vois pas pourquoi il s'en prendrait à notre petit hameau dans le cas contraire, mais peu importe. Le commerce en pâtit et les gens souffrent. Felscroft aurait bien besoin de ta créativité et de ton optimisme en ce moment. Tu as toujours de bonnes idées. Aurais-tu une suggestion, mon ami ? Je ne sais pas combien de temps Felscroft pourra encore tenir. Bien à toi, Bernard Ndiaye. Oui, bah, livraison urgente, oui, mais j'étais en train de parler et de lire une lettre, en fait. Donc, tu vas te calmer, tu vas te calmer, ok ? Tu te calmes. Tu vas te calmer, le vieux, là. Allô, Mora. M'a saoulé, là. Encore une fois, ça va pas charger. Les... On a l'impression qu'il n'y a pas le truc de lumière. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être normal, hein. J'en sais rien. Mais c'est pas comme, comme d'habitude, là. Du coup, la demi-guise. Il y a une demi-guise quelque part par là. Donc, on va essayer de la récupérer. Ah, attendez, il faut que je fasse un petit... Non, c'est pas le bon. Voilà. Petit action par ici. Ah, elle est là, la demi-guise. Elle est là. Du coup, faut que je fasse passer du coup la journée pour la récupérer. Bon, on va attendre chez le proprio, hein. On s'en fiche un petit peu, nous. Alors, tac, attendre, oui. J'aimerais attendre jusqu'à la nuit. Présent, demi-guise. Eh ouais, t'es à moi en fait. Normalement, on en a une dizaine à récupérer dans le vaste monde, là, il me semble. Attendez, on va regarder vite fait. Ah, ça me le marque pas. Créola, est-ce que ça me le marque? Là, il y en a 9. Je n'ai déjà eu une. On a tout récupéré, celle de Poudlard. Et il y en a d'autres à récupérer dans le monde. Je crois qu'il y en a 10, mais je suis plus tout à fait sûr, en fait. Quoi qu'il en soit, petite épreuve de Merlin. Comme ça, on aura fini un peu tout le village. Ça fait plaisir. Faut que je ramène la bouboule, il me semble. Donc là, il y a le camp. Enfin, le trou, pardon, le camp. Il y a le trou, mais je n'ai pas la bouboule. Je ne pense pas qu'il y a que c'est ça qu'il faut que je ramène. Ça serait un peu débile. Ouais, atterrissage n'est pas disponible. Mais sois disponible, en fait. Mais atterris. Le bruit, il veut pas atterrir, ce fifou. Révelio. Atterris, grand fou. Mais... Bah, merci bien. Non, mais n'importe quoi. Faut une piste d'atterrissage, maintenant. Levioso. Non, mais rien du tout, là-dessous. Révelio. Allô, plus par là-bas. Ah, mais elle doit être là-haut à tous les coups, la boule. Ah. J'ai trouvé la bouboule. Je l'ai trouvé et pour le coup, il faut que je démolisse ça. Confringo. Excusez-moi, mais là, je casse avec Confringo. Est-ce que ça marche avec Bombarda? Non, c'est pas ça. Bah, il est où mon Bombarda? Là. Bombarda. Ah, avec Bombarda, ça marche aussi. Revelio. Vous allez me dire que c'est logique, Bombarda. Mais des fois ça suit pas totalement la logique, le jeu, je vous avoue. Et là, je vais faire un petit hop. Repulso. Bam. Et maintenant, elle va rouler toute seule, même pas besoin de la porter. Repulso. Enfin, faut peut-être que je l'aide un peu finalement. Allez, vas-y la petite bouboule. Eh, elle fait trembler mon écran, la boule. Oh, ce délire. Et bam! Épreuve de Merlin réussie en fait. Voilà, c'est réglé. Au calme. Voilà, petite épreuve de Merlin. Et maintenant, on va se rendre vers la quête un peu plus loin. Il me doit me rester une petite grotte, il me semble, ou un... Ah, ben, encore une épreuve de Merlin. Ah, j'ai pas fait la table d'astronomie. Flaireur, attendez, flaireur, j'en ai pas des flaireurs. Boursouf, j'en ai. Mais des flaireurs, j'en ai peut-être pas. On va faire ça, on va faire les petits trucs autour. Je sais que j'avais dit que je traînerais pas trop, mais... Que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Voilà l'une des tables dont le professeur chat a parlé. Le professeur chat, et non pas le professeur chien, en fait. Alors, dans quel sens c'est... ce truc. Comme ça.
Je zoome un peu. Je suis carrément dedans, là. Voilà. Non, mais un corbeau. Très bien. Ensuite, direction les flaireurs. J'aimerais bien choper des flaireurs. Il me semble que je n'en ai pas. J'ai des nifleurs. Enfin, j'ai un nifleur, mais je n'ai pas de flaireur. Ouais, non, je n'ai carrément pas de ça. Hein. Attendez, attendez. Attendez. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Est-ce qu'il y a un flaireur shiny? T'es shiny, toi? Il n'y a pas de shiny. En tout cas, c'est ultra mignon comme truc. On dirait un espèce de gros chat. Moi, j'aime bien les chats. Du coup, ça me plaît d'avoir des fleureurs. Professeur Owen ne me croit jamais. Ah, mais oui, c'est carrément des gros chats. Hein. Ah mince, je me suis trompé de bouton. Ah, c'est pas toi, je voulais. Mais si tu veux bien te laisser choper, ça m'arrangerait. Non, tu veux pas. Allez, reviens dans mon sac à dos. Voilà. Ah, mais là, il y a encore des épreuves de Merlin et tout. Oh là 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 là. Trop de trucs à faire, je vous dis. Trop de trucs à faire. Par contre, c'est tous des femelles ici. Enfin, ou des mâles. Ah non, non. J'ai vu, il y a des femelles et des mâles. Ok, nickel. Parce que je vais pouvoir aussi les reproduire. C'est ça qui est intéressant. Inutile de compliquer les choses. Bah oui. Je ne te veux pas de mal. Je te veux pas de mal. Alors viens au bout d'un moment. M'a saoulé, lui. Calme-toi. Ou furieux. Je ne te veux aucun mal. Moi, j'aurais bien aimé en trouver un shiny. Il n'y en a pas des shiny ici. Tant pis, hein. Yop là. Revelio. Ok, flaireur, c'est fait. Là, il y a une truc de... truc magique. Il y a un nid d'araignée. Confringo. Je vais pas me laisser avoir comme ça. Oula, il s'est fait éclater l'araignée. Revelio. Eux qui parlent. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Ah ah, comment je l'ai expelliarmus. Dans mon entourage. Et maintenant, tu vas le payer. Tu te fiches de moi? Ah. J'ai cru, le mec, je lui avais sauvé la vie. Il allait me casser la bouche, ce fou. Ce fifou, là. C'est le grand dingue. Confringo. Confringo dans ta bouche. Hop là. Oh, celle-là, elle est pas mal grande. Enterrer la tête d'une araignée matriarche au sol. Je sais plus faire ça, c'est avec Descendo. Il est où, mon Descendo? Il est là. Ok, c'était comme ça. C'est quoi même? Bam! Tiens, prends ça, l'araignée ventriarche. Oh, ils sont trop nuls, les araignées. Oh, quel dommage d'être aussi répugnant. Revelio. Elles se font trop éclater, les araignées. Je suis grave déçu, en fait. C'est pas grave, hein. Tant pis, hein, continuons. Le prochain est juste là. Alors, attendez. Hop, hop. Grâce à la magie du balai magique. Kizako Kizak. Voilà. Comme ça, l'atterrissage n'est pas disponible. Toi, t'es pas disponible, ouais. Non, mais. C'était pas si difficile. Oh non, c'était même fastoche, pour être franc. C'était plutôt fastoche. Allez, dans le trou. Oh, mais attendez. Mais c'est quoi ça? Wouah! Je vais un truc bizarre là. Hein. C'est quoi ce délire? Repulso. Action. Je sais pas vraiment ce que je dois faire. Mais il y a un truc vraiment bizarre ici. Je pense que c'est pour une quête. Pour être franc. Rebellio. Mais là, je vois pas ce que je peux faire avec ça. Expelliarmus. Flipendo. Flipendo, ça sert à rien. Descendo. Arresto momentum. Bombarda. Non, bombarda, ça sert à rien. Confringo. Classius. Tifindo. Repulso. Et ça se tire pas, rien. Pourtant, il y a des poignées.
voilà un lieu triste. Bah oui, c'est triste et c'est très étrange aussi. Mais ça ne marche pas, je ne peux pas le tirer. Bon, c'est pas grave. À mon avis, on y sera amené à revenir par là à un moment ou à un autre. Quoi qu'il en soit, continuons. L'araignée occupe le repère, nanana. Épreuve de Merlin, encore une fois là, et on va pouvoir se rendre là-bas. Pourquoi je suis descendu de mon balai? Continue. Bon, on va quand même lancer la quête. Après, même si je vois que j'ai trop traîné encore, comme d'habitude, je me connais. Et c'est bon. C'est pas grave, on va lancer la quête quand même. Ah, il y a une grotte. Oh là là, mais il y a trop de trucs aussi, c'est pas de ma faute. Pas de ma faute aussi, il y a trop de trucs à faire dans le jeu, là. Actuellement, là. Revelio. Ah, une épreuve de saut, visiblement. Très bien. Très bien, très bien. Moi, ça me va. Me va s'il veut bien... Il veut bien s'y rendre. Ya, saute, saute, saute. Hein? Encore ces choses-là. Action. Ok, bon. J'ai réussi à ouvrir la grotte. Même si c'était pas... C'est pas ça que je voulais faire à la base. Moi, à la base, c'est ça que je veux faire. Voilà. Faire la petite épreuve de saut. Oula, ça se casse sous mes yep. Oh, ouais, mais c'est trop simple. Ils auraient pu rendre ça un peu plus dur quand même. Un peu plus challengeant quoi. En parlant de challenge, j'ai toujours pas amélioré mon balai et fait la deuxième épreuve de balai là. Et je suis pas premier il me semble sur la deuxième épreuve de balai. Quoi qu'il en soit, on va se rendre. Alors là si c'est les boursoufles, c'est ça. Les boursoufles, bon, les chrysopes, tout ça, c'est bon, on en a. Est-ce que la grotte, c'est la grotte où il y a ma quête? Pas du tout, hein. Pas du tout, on va s'y rendre, parce que c'est, de toute façon, de toute manière, c'est vite fait, un peu, les grottes. Donc, on va pas... Expelliarmus, action. Incendio. Voilà. Le chien, ça dégage. Les œufs d'Orglups, hop. Ah, j'ai pas le bon sort. Tac, tac. Et voilà, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on va bien pour trouver là-dedans? Revelio. Il y a des os. Action. Wingardium Leviosa. Action. La dernière fois que j'ai voulu faire des trucs avec les os, ça s'est pas bien passé. C'est pour ça, d'où mon silence là actuellement. Ici c'est bon, ça, pour l'instant ça se passe bien. Rien dit pour l'instant. Il y en a d'autres juste action. Là. Wingardium Leviosa. Ok, et il m'en manque encore un. Ah non, c'est bon là, il y a le coffre. Et pourquoi là il me manque une tête là? Bon. Confringo. Bon, vous savez, hein, j'ai fait apparaître le coffre. Hein, moi, c'est tout ce qui m'importe. Hein. Bizarre qu'il y avait un pic sans crâne en fait, mais bon, tant pis, tant pis. Du coup, ma quête, mauvais sort, tombeau de la famille Dale. Ok, c'est parti, allons dans le tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Et là, il y a les boursoufles. Bon, je vais pas m'embêter à les choper, les boursoufles. De toute façon, on en a déjà. En vrai, c'est pas pour le prix que ça se vend, ces trucs-là. Vous allez me dire que j'ai plus beaucoup de thunes, mais bon, tant pis. On y va, ça y est, enfin. Ça y est, j'ai fini de vous embêter avec les petits trucs secondaires. Rentrons dans le vif du sujet. Et dans cette quête-là... Qui m'intrigue bon, quand même. Les pièces ne se sont pas transformées en betteraves. C'est un bon début. Oui, parce que ça, moi, j'avais pas trop envie quand même. Pour être franc, et quand même. Attendez, je m'équipe de mes sorts. Revelio. Trem, zamtarem, sans. Toutes ces aventures. Confringo.
Revelio. Il y a quoi par là? Par vers ici, il y a un coffre. Là, ça me ramène là. Tu utiliserais un filet du diable. Ouais, filet du diable, donc il faut faire de la lumière. Easy. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un petit coffre avec une potion Wingleveld. Ça me met bien, parce que personnellement... Quoique... Ah, mais c'est un troll, ok. J'ai envie de retourner voir un peu là. Tac, tac. Lumos. Allez, ça dégage les filets du diable, en fait. Oh non, j'ai glissé, chef. Un troll. C'est une blague. Troll dérive. Atteindre le troll avec son propre rocher. Alors, il me semble que pour ça, il faut que... Bon, en tout cas, le son a été ultra fort, donc j'ai pas réussi à régler encore une fois cette chose-là. Pardonnez-moi pour ça, mais... C'est que je vais lui casser la... Ah! C'était là que j'aurais dû stupéfixer. Esquive. Envoie ton rocher. Envoie-le. Et là, bam! Voilà, ça c'est fait. Maintenant, bam! Et maintenant, bam, 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 bam! Bam! Et non, tu t'arrêtes! Et bam! Et voilà. Trop fort au jeu, en fait. Les trolls, trop simples pour moi. Oh, c'est du dictam! Ça tombe bien, j'en ai besoin pour faire des potions Wingleveld. Alors moi, je suis tombé d'ici. Je peux me rendre ici. C'est le seul accès que j'ai. Non, il y a encore un autre accès par là. Mais étant donné que je n'ai pas tout fouillé, je vais essayer de remonter quand même. Oh, je me suis paumé, je sais pas du tout où je suis. Tu as laissé derrière lui bien plus que des plantes. Bah oui. Moi ça me va. Hein. Confringo. Moi tout ce qui Revelio. Est loot, ça me plaît. Là il y a des araignées, il y a du filet du diable. Bon. Hop. Du jus d'orglup. Confringo. C'est même pas un filet du diable. Revelio. Confringo. Bombarda. Qu'est-ce qu'il y a donc ici? Revelio. Assiette féline. Ouais, super, hein, mais ça me sert à rien. Ah, c'est pas incroyable hein, ce qu'il y a dans cette grotte actuellement, là, dans l'actualité. Revelio. Dans l'actuel, l'actualité de l'actuellance. Un peu déçu pour le coup. D'accord, ok, si c'est bon, j'ai fait le tour du coup. J'ai fait le tour, très bien. Lumos. Bah dirigeons-nous là-bas, de toute façon j'ai vu que la quête était par là-bas. Hop, on reglisse. Le seul truc qu'il y avait à tuer, c'est un troll nul. Je suis un petit peu déçu là, je m'attendais à plus quand même. Pour être franc. En tout cas, on est dans le tombeau. Un sarcophage, sûrement celui de Marmaduke. Ouais, alors attendez, hop, je récupère tout. Ah voilà, c'est un blason qu'il fallait que je remette. Cela devrait briser le maléfice. Revelio. Ok, maintenant je dois retourner voir Samantha. Bon bah finalement, c'était plutôt rapide, je vous avoue que je m'attendais à une quête un peu plus longue et un peu plus élaborée. Étant donné tout le discours qu'elle nous a fait juste avant, je m'attendais un peu à... Bah, me battre contre plusieurs ennemis, etc. Mais là, bon, à part un troll nul, c'est rien passé de folichon. Donc, je suis un peu déçu. Finalement. Revelio. Mais je suis paumé là, du coup, faut que je monte, faut que je descende. Je sais plus. Si c'est par là. Après, c'est par là. Après, c'est par là. Pas du tout. Hey. Et si peut-être. Et si c'était par là. Vous avez vu un peu le sens de l'orientation d'un homme. Voilà. Bon bah c'était plutôt tranquille. Je m'attendais à mieux. Je suis un peu déçu finalement. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été remporté. Attendez, il y a un bourse shiny. Dissipera le mauvais sort. Levioso. Viens là.
Viens là, le boursouf shiny. Ah, j'ai dit que les boursouf ça m'intéressait pas, mais s'ils sont shiny, ça change tout en fait. Hein. Ça change tout, tout, tout. Il n'y aura pas un autre de shiny par hasard. C'est pas shiny. Tu m'as pas l'air shiny non plus. Pas d'autres boursouf shiny. Toi, t'es pas shiny. Toi, t'es pas shiny. Toi, t'es pas shiny. Toi non plus. Bon, ils sont pas shiny. On va aller rendre la quête. Alors, allons parler à Santa Dale. Hop, Poudlard. Elle est pas Poudlard? Attends, ça m'en met nous là? Ah! M'a saoulé en fait. Pourquoi ça s'arrête en plein milieu? Ah, peut-être qu'elle est juste là devant. Bon, on va se rendre à Campolar en bas et on ira après à dos de balai magique en fait. Peut-être qu'elle m'attend dehors, je sais pas. Normalement, Samantha, on l'avait croisé bah, vers le truc de botanique justement. Oh, ils font du cerf-volant! Trop stylé, moi aussi je veux faire moi! Attendez! Vous en avez pas un pour moi? Ah non, vous faites ça avec votre baguette magique. Trop stylé. Ça sert à rien, mais c'est trop stylé. Oh, formidable. Bah ouais, merci. Et pourquoi ils le font pas juste voler avec un Wingardium Leviosa? Après tout. Ça sert à rien de faire des cerfs-volants. Oh, tant mieux. Hein. Tant mieux pour eux, hein, s'ils s'amusent. Tout ce qui compte, hein, finalement. De s'amuser. Ah! Je me suis pris la fenêtre. Mais c'est rien qu'un détail. Hein. Faut pas faire attention aux détails comme ça. Elle m'a l'air d'être toujours vers le truc de botanique. Hein. Bah, je sais pas pourquoi ça m'affichait à moitié où c'était. Comment c'est trop stylé de voler à Poudlard, là, comme ça. Attention! Et heureusement, je maîtrise le balai magique. Hein. Je pourrais devenir un véritable attrapeur. Hein. Ouais, elle est bien toujours là. Hein. Est-ce que je peux rentrer par là? Il y a une entrée ou pas? Par ici, non. Ici, non plus. Et normalement, j'ai vu hein, dans les films, hein, ils peuvent rentrer par dehors. Hein. On rentre pas que de l'intérieur. Hein. Y a vraiment aucune entrée extérieure? Bizarre, ça. Bizarrement bizarre. Bah tant pis, hein, passons par l'intérieur. Hein. Je passe sous l'arche. Hop là, trop fort en fait. Hop. On va s'y rendre à pied, hein, finalement. Finalement. Pif. Ah, j'aime bien, c'est assez fluide maintenant à Poudlard, comment ça fait plaisir. Bon. Il y a quelques petites baisses de temps en temps, mais comparé à avant, aussi avant de ça, assez fluide. Hop, Samantha. Alors j'espère qu'elle va pas me reparler non plus pendant 10 minutes, parce que c'est une vraie pipelette, elle. Bon, ça y est, j'ai remis le blason de ta famille. Est-ce que la malédiction de ton frère est brisée? J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves. Ah bah c'est... Oh. Je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Bon non, c'était vraiment nul en fait. Bah rien de bien méchant. Juste un misérable troll. Pas grand chose. Un troll? Oh c'est affreux. Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Bah si, un Et troll. Je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Ça on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. Et les récompenses? Ouais, voilà, c'est ça. Récompense-moi d'un totem. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un totem? Il me reste 32 quêtes de relations à faire. Oh là là. Ça fait beaucoup, là, non? Bon. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que j'ai un peu traîné. Bon, je m'attendais à ce que la quête soit un peu plus...
intéressante et divertissante, mais bon, pour le coup, tant pis. Pour l'épisode prochain, je sais pas trop vers quoi on se dirigera, on verra bien le moment venu, selon mon humeur. mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'un peu plus trépidant. Parce que c'est vrai que ça fait quelques épisodes que je fais un peu des petits trucs secondaires et tout. Quoique non, on a l'épisode dernier, on a quand même capturé un dragon, et ça c'est pas rien. Mais je pense que je vais quand même faire quelques quêtes secondaires et tout. Ouais, j'ai quelques quêtes, il y a ça à faire, le devoir de Weasley. Ah, peut-être qu'on fera, oui, on fera sûrement d'ailleurs les devoirs de Weasley afin d'apprendre le prochain sort, là, le sort de transformation. On sait jamais, ça peut toujours me servir. Ok, bon. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve dans un prochain épisode.